On s'en fera des choses cheloues, mais bon, des choses qui peuvent être drôles. Ah ouais, à ce point-là? Oh, bah moi je m'amusais. 1 000 000 de points Yumi, pas se faire. Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi je te dis, ça me colle au cul là. Ça va être de la merde. 1 000 000 de points Yumi, mais Iron 3. Ok, ouais. Et Aaron, c'est quoi ça? C'est le P. Ah. Wow. 4. Iron. 3, c'est le deuxième moins pire du jeu. Attends, moi je suis quoi? Un ranked, de mauvais rank. Non, mais comme dans ton truc qui calcule environ. Oh. Les ennemis que tu joues contre, c'est des Iron 1 environ. Iron 1, c'est mieux que son rank à lui. Pour te donner un exemple. Moi, je suis contre qui? Quoi? T'es contre Aatrox. Aatrox, c'est le même principe que Renekton. C'est très fort en early game. Mais je pense que tu peux win contre Aatrox. Faut que t'esquives ses Q. Là. Tu vas rendre compte assez vite c'est quoi ses Q. Son ult est fort aussi. Mais bon. De toute façon, c'est à force de jouer contre les certains champions que tu vas comprendre comment jouer contre. Ouais. C'est. Y'a rien qui peut expliquer les match-ups dans la vie. Vanguard! Excuse, qu'est-ce que tu disais? J'étais un peu occupé. Non, rien d'important. Non. C'est pas important pour toi. C'est bon, Maxime. Ouais. Oh, y'a une belle bête en face. Mm-hmm. En gros, elle, tu dois juste pas lui laisser les monstres. Non, elle devient trop puissante. Non, j'ai pas peur de la belle-bête, moi j'ai peur du Vhagar. Ouais, c'est Vhagar, là. Lui, il peut faire chier. Oh ben, non, il est mid, non? Oui, mais tu peux win contre lui facile en early game. Ah ouais? Ben oui, Vhagar a zéro dommage au début de la game. C'est ça, là, le là champ. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? C'est que s'il fait son hexagone, il cogne pas les parois. Faut qu'il reste dans le milieu. Non, ben actuellement, l'unique truc, c'est que, justement, lui, c'est pas un early, mais late gamer. C'est pas en late game, parce qu'à chaque fois qu'il tue un minion avec son Q, ou qu'il touche un champion, genre le top object avec son Q, ça lui donne un stack, et chaque stack lui donne un d'AP. Genre, au début, c'est bon, mais quand il est rendu à 400 d'AP supplémentaires, tu le sens passer. Avec un Rabadon qui fait en sorte que son AP est boosté par 35%, en plus des items qu'il va avoir, il monte facilement à 1000 d'AP. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis comme un fuck, parce que justement, j'ai joué en solo contre un Vhagar, puis il m'a niqué la race. T'es supposé de gagner en early game, par contre. Genre, tu peux win wall. Ouais, c'est... Oh mon dieu, qui m'a essayé de me shot de. Je vais te dire un truc très simple, son W, c'est un truc qui tombe du ciel, genre, c'est un météore. Ah oui, ça, c'est facile à dodge. Regarde, mieux vaut dodge un W, genre, mieux vaut prendre un Q dans la gueule qu'un W. Parce que le deux Q est égal au dommage d'un W. Oh, ok, ben. Ah, ben là, il y a un stack en théorie, c'est pas grave. T'as un bruit de dommage, c'est important. Y a-tu un stack? Non, y'en a un. Oh! Le hit que j'ai eu. Non, pas. Bah! Cette Yumi là me colle pas au cul. Oui, mais comment il veut t'habiloter d'être start? Cette Yumi là est pas sur toi. Et non. Ça, c'est spécial. C'est correct, attends, comment... c'est ça que je veux! Je veux qu'elle attaque les minions, je veux pas qu'elle colle ça après moi. Ça donne à rien, ça donne juste 10 attaques de plus. Attends, j'ai une question. Comment il y a 8 habiletés? Comment il y a 8 habiletés d'Elstar? Son Q a 3 Q différents. Un Q qui fait genre un petit truc devant, un autre Q qui fait genre un arc de cercle, puis un dernier Q qui le fait sur lui qui fait. Frère, je suis déjà fucking low, il va gagner. Il est aussi low, hein. Dis-toi que son E, son W non, wireless, non, ça va traîner vers le milieu. Il prend un coup de tour. T'aurais traité l'ignite? Genre flash ignite là? Ou non, mais. Genre là, s'il avait flash ignite, il était mort. Le gars, il est pas bien joué non plus là. Il s'est pris trop coup de tour. Il va sûrement back là, il a pas le choix. Mais bon, t'as l'avantage, il est mignon, toi. Maintenant, faut que t'es farm. Je
finir mes cartes, je vais gank top après. Je vais te donner le kill. C'est possible. Hein? On va prendre mon blue. You, il est backé, mais il est là en fait. Non, il recall. En vrai, push la wave, recall, veux juste recall dans le bush. Tu vas dans le bush? Ouais, recall dans le bush, sinon tu vas être behind niveau item. Ah, y'a même pas pris d'item, mais bon, bah. Vas-y, t'as combien de gold là-dedans? T'as combien de gold? J'ai 300. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, recall? Ouais, bah, vas-y. À 360, tu peux t'acheter genre. Sur, des bots ou de Green Mine qui permettent. Genre, prends tes bots, ça te permet d'esquiver ses sorts plus facilement. Enfin, cette Yumi là, je l'aime. Bon. Ça creuve, c'est pas grave. Au moins, je l'aime mieux. J'ai mieux elle que le dernier support que j'ai style de Yumi. Quoi? On n'a pas le même style de Yumi. Ouais, ouais, mais elle sait jouer. Ben, la personne qui la joue, il sait jouer. C'est ça que je veux dire d'abord. Elle est juste. Elle a des couilles. Voilà ce qu'elle a. Oh, c'est ça, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Shadow. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Les bandes de gal, les deux. Ils ont pas. Mais. Oh. Je veux garder des couilles. Ok, bon, je vais gang top. Attention, Belvet bot. Là, tu. Je l'ai doucement, Maxime. Pour merci, avoir plus de possible. Ah oui, si. Excuse-moi, je dois m'occuper des bots, sinon notre tour va se faire niquer. Non, on s'en fout, c'est ta tour, c'est niqué. Attention, Mel. Je peux ganker si t'as besoin. Genre, si ouais, engage-le. Bah, il y a son Q, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais recall. Non, non, mais pourquoi t'as flashé? Je sais pas, parce que je le push. Hey, la chute, là, là, tu me fatigues. On y retourne. Tu es là ou. De toute façon, moi, je peux pas venir push à côté. Je l'ai mis low, je l'ai mis low. Attends, je vais encore revenir. Elle a des couilles, j'aime ça.